Hello les gens, ici c'est Shadowar. Ça va, tu me grattes les yeux pendant l'intro. Aucun respect. Donc pour l'épisode 48 de Kingdom Hearts 2, nous sommes en compagnie d'Emmy qui n'en a rien à branler et qui fait sa petite vie dans son coin. Et donc... donc nous continuons l'aventure Kingdom Hearts, sauf que, eh ben, comme vous l'aviez remarqué, nous ne sommes pas à Illusiopolis. Donc c'est bel et bien la vraie Illusiopolis, hein, je veux dire, voilà, on peut y accéder tout de suite et retourner dans la ruelle de transition. Mais comme on est des gros FDP, on va le faire. Mais comme nous sommes exactement des gens de bonne famille, eh bien nous allons nous barrer au jardin radieux, puisque nous avons donc les 5 pages de Winnie l'ourson, et nous allons faire aujourd'hui Winnie l'ourson. Enfin, en tout cas, si on peut. Voilà, chez Merlin. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de cinématique ou de trucs comme ça qui nous disent « C'est la merde, faut que tu fasses autre chose en fait !» Du coup, on va pouvoir se faire Winnie l'ourson tranquille. Alors, actuellement... Tu veux te faire Winnie l'ourson? Yes. I wanna do Winnie l'ourson. Winnie the poop. Web, et du coup on se fait au niveau son, donc je sais pas si ce sera un seul gros épisode comme j'avais fait la dernière fois pour Kingdom Hearts 1. Il y a pas de cinématique. Ou si ce sera donc plusieurs épisodes, donc de genre découpé en deux quoi, pour voilà quoi, je veux dire. Exactement. Et toujours à préserver ton courage, il suffit d'un déclic pour aller dans le monde de Winnie l'ourson. Let's go. Donc voilà, donc vous savez certainement, puisque soit l'épisode fait une heure, soit il fait moins. Soit il fait une heure et demie, je ne sais pas. Je sais pas si... En fait, le fait d'avoir les pages, je sais pas, j'ai pas pu regarder s'il y avait vraiment une histoire avec l'ourson dans celui-là. Donc on va voir, on verra ça. Ta-da-da. Boom, explosion. Ta-da-da. Oh, ce vieux scotch. Bah comme dans le 1. Oh non, c'était scotché vachement c'était mieux quand même. Hein. Mais regarde, oh, c'est en relief. Regarde, on peut passer derrière et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. A 100 drug acro boots. Mais en fait, c'est le nouveau, donc autant aller là. Parce que l'autre, on est déjà allé dans la maison de Winnie l'ourson, il y avait personne, bordel. Il est temps que tu joues un peu, c'est vrai. C'est le temps de te faire les mains pour Burst by Sleep, tu vois. C'est une blague. Eh? Depuis quand il y a une taupe? Mais il y a toujours eu la taupe qui siffle. Oh, tu l'entends? Why? Elle siffle? Oui. Why? Because it's Wednesday, of course. Ah oui. C'est pas un PVE, c'est... Exact, oui. Dans le dessin animé, elle fait que siffler, je m'en rappelle. Non, je m'en rappelle pas, j'ai jamais vu. Mais je suis assez là, t'as des trucs comme Winnie l'ourson, les trucs de la fée clochette, oui, oui. Oh la barbe! Mais grandissez un peu, hein. Je deviens un être tout le monde. Et c'est ça dans un coin. Pour réfléchir. Pense. Je comprends pas, ça marche pas. Oui, c'est le jour du vent, en effet. Boum! Allez, bitch. Dans ta gueule! T'as vu le pinet? Ouais. Hold on, mais c'est sa maison? Il vit dans un arbre, Porcinet? Non. Je sais pas, parce que les fenêtres ont l'air d'être toutes petites. Oh, putain, par contre, première fois qu'on peut taper dans le monde de Winnie l'ourson, quoi. Oui, les œufs, pourquoi ils sont... J'aime de Mithril. Ils sont en bois, ouais. Et veille. Boum. C'est beau. Oh, il y a tout plein de trucs à récupérer dans ce monde, ça va être cool. Ah, t'as ouais, pas l'habitude là! Putain, le saut! Je n'ai pas vu qu'il était aussi puissant! La carte? Oui, la carte. C'est la carte. Bonus défense! C'est pas la carte, quoi! Ouais. Ouais, mais c'est bien, c'est encore mieux! C'est pour nous! Oh non, c'est pour nous! Merde, c'est marqué quoi? Ça doit être le nom de du grand-père de Porcinet? Repassé? Ah non, Trépassé! Trépassé! Je voyais pas, il y a un T devant! Il s'appelle Trépassé! Trespassers! Will! Il s'appelle Will. Le nom des personnages est écrit cette minuscule boîte aux lettres. Mets-toi en... Appuie sur Select pour voir de... Piclette. Palette. Moi, je vois palette. Hein. Piclette. Ah oui, piclette, oui. Ben, je te propose d'entrer dans la maison. Oui. Non, plutôt, essaye de viser Porcinet pour lui parler. Voilà. Faites-toi appuyer sur triangle quand t'es juste à côté. Donc voilà, maintenant, en fait, l'épisode va bien durer une heure, mais pas pour la raison. Regarde, arrête, regarde, vise-le avec ça.
Merde, pourquoi ça change pas? Mais... Tiens, dans ta gueule! Voilà! Pourquoi tu peux pas le secourir? Ah si, là tu pouvais! Là c'est bon! Triangle! Oh là là. Ok, il est tombé directement. Et voilà le travail. Piu, merci Sora! Chou, ils savent lire. Non, voilà Winnie! Oui, mais c'est bien de faire le doublage pour ceux qui regardent, qui écoutent mais qui regardent pas. Oh, bonjour, ravi de faire votre connaissance. Quoi? Ah, il se souvient. Ah oui, c'est vrai qu'il se souvient pas. We are friends! Ah bon? On se souvient pas du tout. Non. Il est vraiment très triste. Regarde-le, il va au suicide. Non mais dis-donc. Porcinet s'en va vers l'autre ciel. La maîtrise. Ouh, ça a l'air drôlement amusant. Dans la tourmente, ouais. Dans la tourmente, ouais. En effet, il a l'air vraiment tourmenté. Peut-être là qu'on va avoir plein. Non, ça est du The Police, quoi. Sauf Porcine avant qu'il ne soit trop tard. Si Winnie tombe, appuie sur le triangle pour le rattraper. Attention au temps limité. On croit pour frapper et triangle pour rattraper. Ready? Vite, tape! Oh, plein de miel, oui. Triangle, vite! C'est trop rapide. Mais tu peux monter et descendre, je pense, non? Oui. Mini tourbillon. Mais en fait, ça fait quoi quand t'appuies sur triangle dans le mini tourbillon? Wouh! Ouh, à mon avis, tu vas pas pouvoir le taper celui-là. Vite! Bien, ouais, je vais attraper. Ah, ça explose tout, d'accord. C'est cool. Plein de miel. Oh, pas mal. Bien, ouais. Oh là là, cette pluie de miel, l'écran est toujours plein de thunes. Tellement d'argent. Oh là là. Bah, t'as pas ce premier. Attends, c'est pas rouge. C'est bizarre par contre. Oh là. Tu veux taper. Attention. Oh, c'est violence. Vite. Bravo. Félicitations. Du premier coup en plus. Bien joué. En 1 minute 25. C'était largement. Rien. On a eu la clé. La première clé. Le but c'est d'en avoir 5. Saute. Est-ce qu'il va sauter? You can do it, Piglet. You can do it. You just have to be brave. Courage, mais c'est parce que c'est courage. Sora, be brave. All right, Sora, out to try. Attention. Moi. Oh. Eh ben dis donc. Well, that was rather frightening. I do hope you're all right, Piglet. Oh, Boo, you remembered my name? You really, truly remembered? Ben oui, vous le dites depuis tout à l'heure. But today, I think I shall call you my friend Piglet, who is very brave. Oh, t'es mignon. Very brave? No, but it's easy to be brave when I have a wonderful friend like you, Pooh. C'est bon, vous avez fini de vous envoyer des fleurs. I'm happy for you guys. Oh, and thank you for rescuing my friend Piglet, somebody I don't know. Oh, sure, don't mention it. Winnie, c'est plus notre ami. T'es qu'un gros bâtard. T'es qu'un gros plat de soupe. Tadam. Bon, au moins, on sait qu'en fait, quand c'est relevé, c'est fait, quoi. Y'a pas besoin de rechercher comme dans le premier, ou rechercher quel endroit oh, il faut là, y aller. Galère. En fait, ils vont les mettre un par un. J'ai l'impression. Du coup, 4. C'est plus simple, ouais. Ils sont intelligents dans le 2, quand même. Ils sont dit, putain. Ils ont réfléchi un petit peu plus, quand ils même. Ils y arrivent. Tu vois, quand on veut, on peut.
y croire. Ça fait très Disney quand même. Bon bah on, on retourne dans le livre, bah let's go, hein. On y va. Hein. Allez hop, pas de pause, pas de repos pour les braves. Pas de repos pour les brames. Les braves. Pas de pitié pour les croissants et pas de repos pour les braves. Recyclage d'animation. Oh, chut, c'est fou. Bon, ça va, en plus, ils l'utilisent que 5 fois, quoi. Ah, bon, bah, je sens qu'on va aller chez Coco. Coco Lapin. J'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est ça. On va chez Coco Lapin. Non, on va dans point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Tu sais où je te les mets, tes points d'interrogation ? Oui. Pas dans l'oreille. J'aurais préféré, même si après je deviens sourd, c'est pas grave. Mais il faut toujours qu'il s'envoie en l'air, celui-là. Toujours, quoi. Oh, le petit coquin. Toujours pour s'envoyer en l'air pour un pot de miel. Oh, puis il va péter la maison à... Briquet. Oh, misère. Come on. Come on. Non. C'était sûr. Come on, come on, come on. Là, t'es censé entendre des, entendre des rires préenregistrés. Pooh, are you okay? Coffre derrière. Ouais, mais je vais pas arriver. Un bisou. Va l'ouvrir, s'il te plaît. Ouais. Pas eu besoin de donner de thunes. En fait, j'ai changé d'avis. Bah, je te prends la manette. C'est 5 euros par coffre. Ouais, bah je crois que je vais les faire quand tu seras pas là, hein. ça sera plus moins cher. Okay. Oui, c'est Briquet, voyons. Donc du coup, c'est... on va chez Coco Lapin, mais en fait, c'est Briquet qu'on croise. Mmh. Aucun rapport, quoi. What could have happened to him? Je crois qu'il a pris un coup sur la tête. Ou qu'il est en manque de miel, tout simplement. Donc il est boulimique. Ouais, mais du coup, il est en manque de miel, quoi. Maybe Pooh's tummy is so rumbly that it's making him forget. If we bring him some honey, he's sure to remember. Ça c'est la mère qu'on dirait un gros autiste tout mignon. Des papillons. Rien à voir, les autistes sont pas du tout comme ça, mais il fallait que je trouve un mot. On dirait un enfant qui ou alors un mec qui plane à 20 000, quoi, genre. Des screens là, c'est vrai! Un papillon! Bah, du coup, je sais même pas ce qu'il faut faire, je vais même pas aller! Faut aller chercher du miel, parce que lui il est amnésique, mais l'amnésie facile, tu vois. Tu amènes du miel et ça y est, je me souviens. Oui, c'est. Doucement. C'est mémoire. Ah, du linge. La mémoire sélective. C'est ça. Tu passes derrière. Mais TG! La carte! Pas du tout! Un autre attraction. Pas mal, sympa. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah non, faut gérer. Non. Tu peux prendre celui à côté aussi, hein, pas de soucis. Crystal Mitchell. Mais ça... ta mère, je vais l'ouvrir. T'as du mauvais côté. Ah, mais c'est pour ça. Bonus PC. Oh yeah. PC. I like that. Pièce de puzzle Aube. Oh putain, je crois qu'on l'a terminé du coup, Aube. Ouais. La boîte comporte les noms de Coco et Lapin. Est-ce que c'est vraiment marqué Coco et Lapin? Rabbit. Ah, c'est marqué Rabbit. Rabbit. D'accord. De numériques comme juste ça. Avancé. Ah, mais lève-la, Coco Lapin. Putain, cette réserve de miel. Il est maniaque, lui. Hein. Puis lui, il se barre comme ça. Ah, bah, les maniaques, il fait un tas, quoi. Je veux dire, toi, tes bûches, tu les balances comme ça dans ton jardin ou tu fais une belle pile? Je fais une belle pile. Bon, bah, tu vois, il a fait une belle pile aussi. Un peu spécial, hein, mais une belle pile. Je suis maniaque. Bah, non. Ah, c'est un petit peu plus savant, quoi. Tiens, non, il va pas se bouffer. Attends. Genre le mec il attend. Ah. Oh là là, je me demande à qui elle peut être. On est juste à côté de la maison de Coco Lapin. Je me demande à qui peut appartenir ce miel quand même. Oh non. Mon miel. Non. Mais regarde là. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Et ça c'est pour moi aussi. Ah. Donne-moi ça, va. Et l'autre il lâche. Puis il le laisse faire. Moi qui pense avoir trouvé la cachette idéale. Ouah, c'est trop bien caché. Derrière une butte de terre.
Tu m'étonnes. Mais il meurt au bout d'un moment, non? À force de manger, de bouffer autant de miel, non? Ah bah, il meurt de diabète. Hein. Trop de sucre dans le sang. Je dirais, il implose au bout d'un moment. T'es sûr que ça va bien, Winnie? Tu m'as vraiment oublié? Comment est-ce possible? Mais en fait, c'est pour ça qu'on lui fait bouffer du miel, mais ça ne marche pas. Ah oui, c'est ce qu'on s'est dit, mais en fait, non. Oh. Mais genre, on dirait ma mère, elle range tellement bien les trucs qu'elle n'arrive pas à retrouver. Non, elle cache bien les trucs. Pas elle les range bien. Alors, franchir la ligne d'arrivée en évitant les obstacles. Après avoir heurté un obstacle, appuie sur triangle pour récupérer Winnie ou il continuera à perdre ses points de vie. Et tu ne veux pas que Winnie meure, n'est-ce pas? Bah si. Mais j'ai pas le temps de lire le reste, donc tu te démerdes. Voilà. Ah d'accord. Et donc je suppose qu'il faut récupérer ça. Ok, tu peux accélérer avec carré si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, mais ça me paraît être une mauvaise idée. Oui. Bonjour, je vole, fuck la gravité. Pourquoi on n'a pas plané? C'est n'importe quoi. Mais quoi? Bah tu peux pas planer, tu peux pas appuyer sur croix ou sur rond. Non. Oui. Mais en fait j'ai l'impression que c'est... On va dans le soleil. Oui. Oh, trop bien. Alors je pense qu'il faut pas se taper les ruches. Quelque chose me dit. Putain, ça fait des... Oui, oui. Oh, c'est trop bien. Franchement, c'est trop... c'est une très bonne idée qu'ils ont eue là. Franchement, ça rend très très bien. C'est trop beau. Ah, il y avait un truc que tu pouvais te saisir. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Exit. C'était la sortie. Oh, putain, Winnie. Winnie, il est en train de crever. Winnie est mort. Il est parti. Ok. Quelque chose me dit que les flèches sont des indications. Tu pouvais récupérer... Ah, oui. Je ne sais pas pourquoi tu pouvais récupérer un ballon, mais c'était... Vas-y chouchou, tu peux le faire, on est bientôt à la fin, je suis sûr. Ouh. Mais genre... Ah, là on est dedans par contre. Oui. C'est du n'importe quoi, mais c'est juste génial. Oh putain, on est retourné chez Tarzan, t'es. Oh, wow, la difficulté. Le ballon. Bien, ouais. Mais c'est un rat. Ah, c'est la taupe. Je sais pas pourquoi t'as récupéré la taupe, mais t'as récupéré la taupe. D'accord. Ah, c'est un joker. C'est un joker. Comme ça, tu peux tuer la taupe, on s'en bat les couilles. Oh, yes. Ouais. Bien joué. Ça fait deux. Le pot Winnie, les ruches qui s'est pris dans la gueule. Ah ouais, il a mangé. Hein. Par contre, le pot qui a pas éclaté alors que t'as fait je sais pas combien de free running avec. Mais on a ramené qu'un pot, nous, en fait. Mais c'était un gros. On n'a pas ramené tout ça, on a ramené qu'un seul pot. Hein. Bon, il est peut-être recul là. Mais il y avait moins de pot que ça sur la cinématique d'avant. Non, mais arrêtez, il va mourir après, il va décéder, ça va être triste. Parce qu'en fait, ce qu'on sait pas, c'est que Winnie l'ourson, s'il est jaune, c'est parce qu'en fait, il sue du miel en permanence à force d'en bouffer, tu vois. Ah non, il va rester quoi, rester... Non, pas le cliché. He still doesn't remember. He's gotten into Pooh Bear. Whatever it is, we better help him. Oh yes, and quickly too. Oh. C'est n'importe quoi. 1, 2, 3. Oui. On dirait un mannequin. J'avoue. Oh, c'était vachement drôle. On recommence. Je me suis pété le coccyx, lol. You're okay now, Pooh. Et il va se souvenir. Tu parles qu'il va se souvenir de Coco Lapin? Just look at him. He doesn't even remember who I am. Bien sûr que si, Coco Lapin. Perhaps it's all this blustery wind, or maybe he's actually needs more honey, or he's sleepwalking and dreaming. Well, if I am dreaming, which I suppose I could be, I hope that I get to the part where you invite me to lunch again very soon. Ah, tu vois, je le savais. That's right. You're always stopping by for lunch. Wait, Pooh, you called me Rabbit. Rabbit. Of course, Rabbit. What about Eeyore? Do you remember Eeyore too, Pooh? Oh, hello there, Eeyore.
It's ever so nice to see you today. Thanks for noticing me, Pooh Bear. And hello to you too, somebody I don't know. Oh. Je sais, il faut le frapper sur la tête. C'est pour ça qu'on a la Keyblade en fait, c'est pour le marteler. C'est ça. Quand je trouve qu'on est un peu dans le noir. Du coup, je vais disparaître quelques instants. Boum. Ah putain, Chouchou, ça fait mal. Est-ce qu'on en voit plus? Bof. Bof. Non, on dirait que j'ai l'air morte. Mais si, c'est vachement mieux quand même. C'est toi qui as toute la lumière. Oh, mais Chouchou, on me voit plus, voilà. Vas-y, va là-bas, derrière la lampe. Tiens, vas-y, fais les vidéos à ma place. Voilà, c'est très bien. Bouge pas. Hein. On va l'avoir dans la gueule. Bon, j'entre dans le livre. Cinématique de recyclage. Ah, voilà. Ah oui, parce qu'ils nous ont foutu dehors, les salauds. Bah oui, on a fini. Nouvelle pub. C'est chez qui, ça? C'est pas chez... Kangoo. Mais si, il y a les deux boîtes aux lettres, c'est chez les kangourous. D'accord. En mode détente, voilà, pour Winnie l'ourson, c'est notre petit épisode tranquille où on joue, on rigole, il y a pas de combat, juste une petite histoire, voilà, tranquille, c'est le seul décontracté. Épisode où je peux jouer toute seule. Bonjour à toi, garçon que je ne connais pas. Oh, ça, il est chiant. Maman, un petit kangourou. Oh, l'alcoolique, regarde, elle a sa petite gourde, là. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Une flasque, c'est ça. Tiens, prends de la drogue, ça ira mieux. Tu veux bondir sur ta queue avec moi? A present for me? Why, presents are what tiggers like best, and it's not even my birthday. Non, prends l'alcool. Il est trop mignon, le petit. D'ailleurs, on n'avait pas vu la maman gourou dans le premier. Si, on la voit. Si. D'accord, t'as beaucoup. Nous sommes des queues de petits gourous. Let's go! Ah putain, j'avais même pas vu qu'il était devant nous. Et là, c'est crépuscule. Ah non, c'est aube. Ah bah non, en fait, on les avait pas tous. Mais il restait deux. Bonnie Space! Putain, mais elle aurait tellement dû venir avant. Oricalc. Oh, un gros coffre. Mickey, maman gourou et petit gourou. Moi, j'avais pas ma propre boîte aux lettres quand j'étais petit. Moi aussi, j'avais mon nom. Bonus magie! C'est génial! Et en plus, ils s'attendent tellement à ce qu'on en donne un à Dingo et un à Donald. Ça va être tellement bon de tous les prendre. Bon, je parle à qui? Non. Bah, à Tigrou pour qu'il rende la flasque, non? Mais bâtard, c'est pas toi. Ah, demandez la bouteille. Tiens-moi la bouteille, s'il te plaît. Oui. Oh, médicament! Tu veux le frapper? Laisse-moi deviner, tu vas vouloir bondir, c'est ça? Ah, je m'attendais à ce que lui mette un headshot avec son pied! Tigre que je ne connais pas. Quoi? Attends, il pensait vraiment que le fait qu'il ait bondi comme ça, de seul comme un con, ça allait le rendre la mémoire? Quoi? Quoi? Non? Non? Fais éclater le nombre de ballons indiqués dans le temps imparti. Astuce, appuie sur triangle au bon moment. J'arrive pas, si tu parles, j'arrive pas à lire en même temps. Astuce spéciale. Ok. Je suis maltraité. En gros, appuie sur triangle. Oui! 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 Putain, je me suis cassé la gueule! Bah dis, je crois que tu peux aller de droite à gauche, non? C'est trop bien. Oui. Oui. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Ah là, d'accord, faut en éclater 10.
Et donc la difficulté est un peu amoindrie par rapport au premier, j'ai l'impression. Hein. Ouais, déjà. Ils n'ont pas demandé plusieurs épreuves, je pense. Je me souviens maintenant, n'est-ce pas, Buddy Bear? Well, I remember that bouncing always makes me hungry. Quelle décevance. All that bouncing and he still doesn't remember me. Well, then I guess bouncing's not the answer. It makes a tigger almost never want to bounce again. Oh. Oh, please, please be careful with that. Oh, sorry, little piglet. But Pooh not remembering me has me confused. I don't even feel like bouncing. Putain, oh, but Tigger, I always thought that bouncing was what hein? Tiggers did best. Tigrou. Il a petit Tigrou, il est bon. Boy, oui, mon pote. You remember me. You do remember your old buddy Tigger after all. Yes, il est content. Et il a encore bouffé? What? Tu vois, je l'avais dit, à force il meurt. À force il meurt, c'est tout. Mais ils sont force de bouffer du truc. Ah, il se souvient. D'accord. Yes. Perhaps I'll remember tomorrow. What the fuck? La LSD. Il est parti dans un trip là. Il a un gros bad trip de miel, mec. Il a mis trop de dans son miel. 3 Plus que 2. Ouais, je pense que du coup on est à la moitié, je pense qu'on peut faire un on va faire un gros épisode d'une heure. Je pense que ça va passer du coup. Sinon j'aurais découpé en deux si c'était vraiment trop gros, mais là pour il reste plus de deux mondes. Ouais, on va faire un gros épisode d'une heure, ça sera très bien. Ça sera très bien. Très très bien. Puis comme ça fêtera presque ça fait presque un an qu'on l'a commencé ce let's play. C'est vrai? Ça fait presque un an. Oh putain. Ça oui, on l'a reçu avant Noël. Oui, on l'a reçu juste avant Noël, donc ça va faire presque un an, je crois. Après que tu regardes. Attendez, avec une raison de 1 par semaine, sachant que 52 semaines dans l'année, on est au 45, 48 là. Donc, oh, si t'imagines, il fait 52 épisodes tout pile. Ça fait un an de l'espèce, quoi. Oula, c'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est une caverne qui fait flipper. Y'a pas ça, hein, dans Winnie l'ourson, il me semble pas. Hein. Peut-être les prochains, Porciné, les aventures de Porciné. Pas vu encore. Mais sachant que KH2, il se date de largement avant, tu sais, ça m'étonnerait que... Putain, ils font flipper, regarde, ils sont tous là. Ils sont tous sous grand genre. En oui, zombie. Chef. Attends, on dirait les robots de Under the Dome, tu sais, qu'ils sont tous en mode... Tiens, Winnie, t'es avec nous. Ben non. Ah, y'a la taupe. Il est rentré dans cette grotte. Qui est hibou. D'accord. Pardon. Je suis pas. Nanana. Tu connais la pub de Schwarzkopf? Oui. Ça, c'est Vildop, ils font. De Jagular, c'est déjà quoi? Ah, Jagular? Mon cousin Alphonse. On s'en bat les couilles de toi. Ta gueule, on veut pas savoir ton histoire. Il y a les effets lents, mais les jagulars, je me souviens. Les jagulars, oui, ça doit être un jaguar, je pense. Mélange de jaguar et de jugulaire, quoi. C'est un peu... L'antre du jagular. Ça me saoule, putain. Et ils doivent en avoir marre de la musique. Nous, on l'entend pas beaucoup, mais... C'est toujours la même. Mon cousin, disais-je. Soit le fils de ma mère, de mon cousin, de mon père. Oh putain, mais monsieur Hibou, il est maltraité, mais il est tellement, tout le monde a rien à foutre. Putain, cette phrase nous a rien à faire. Tellement que tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde s'en rend. Ça m'étonnerait qu'il y ait du miel encore dans cet endroit. Les parois sont attention très friables. Attention, je suis de pierre. Comment il s'appelle le... Dans le... Tu sais, dans le dernier Winnie l'ourson, enfin le seul que j'ai regardé, moi, avec la créature imaginaire, là. Les effets lents. Non, mais l'ogre. C'était pas les félins. Si? Avec l'ogre, tu sais, qu'il avait inventé, là. Je sais plus c'est quoi le nom de la bestiole, mais c'est pas le jaguar. Oui. Let's go. J'ai pas parlé à tout le monde. D'accord. Oui, allons chercher Winnie. Rien de presse. Ouf, les accueils.
Cette blague est passée. Retrouve Winnie. Ok, la jauge de courage de tes amis baisse lorsqu'ils se perdent. Et même en marchant. D'accord. Ok. Faut pas baisser leur jauge de courage. Run! Faut que tu fasses triangle. Let's go! Tourne autour. Ah oh, mais tu peux courir, c'est juste qu'il faut que... Halt. Notre gauche. Ah oui, c'est... faut halt pour pas qu'il se tape la tronche. Là, tu en avant et halt. Let's go! Non, mais faut que tu cours, Chouchouta, parce que t'as un temps imparti. C'est juste quand il s'arrête et tout ça. C'est cool que ça... Attention. Merde! Attention, ils vont se faire attaquer. Ah, là, tu m'étonnes que leur barre de courage, elle descend, quoi. Mais là, je comprends pas pourquoi, pourquoi ça remonte pas. Je sais pas. Je sais pas. J'en ai perdu un. Je sais pas. Faut que t'ailles chercher. Ah, c'est sur là. Ah, puis d'accord. Il faut... On se calme. C'est d'accord. Et du coup, ça remonte. Ok. Vas-y, vas-y. Il y a le coffre. Hop. Vas-y, c'est bon. Tu peux l'avoir. Et il y a la pièce. Je sais. Oui, donc si tu l'apprenais pas. Vas-y, fonce, fonce. Je suis sûr leur dire halt quand il y a des trucs qui tombent ou qu'il y a des bestioles. Voilà, genre ici. Merde. Mais ils sont... Ils sont derrière, derrière, vas-y, là. Bien ouais, je... Attention, il y en a qui arrivent encore. On se calme, on se calme. Tu comme ça. Panique, bon. Oh! Attention! Vas-y, il va récupérer le coffre en attendant. Here we go! Formule de défense. Ah, cool! Je vais où? Ben, prends une, un endroit au pif, hein, pour J'ai voir. J'ai perdu, si... machin. Mais non, t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Prends un endroit au pif, une caverne. Ça, c'est là d'où tu viens, donc il y a encore les 4 autres, hein, si tu veux chercher. Soit ça va mener à cul-de-sac. Attention! Attends. Pour pas qu'il meure quand même. Ce serait quand même bête. Ce serait quand même ballot qu'il meure, n'est-ce pas? On s'en fout. Attention. Ouais, génial. What? Ah d'accord, t'as une chance de te casser la gueule. Alors, pourquoi ça descend pas? Ah, quand c'est sur la glace, c'est figé, je ne sais pas. Ok, j'ai pas compris. Ah oh ben Winnie! Et voilà! Bravo! Ça fait 4! Ça arrête. Plus qu'une clé pour atteindre le trésor! Salut! Pooh, there you are. Par contre, Maître Hibou, il était pas avec nous. Non, c'est un bâtard. Le mec, il s'est envolé, tu sais. Il m'a regardé une perle. That I remember I made a very important promise to. Oui. So, did you find him? No, I looked and looked, but he doesn't seem to be anywhere. Oh, poor boy! So there you are! Finalement, le Jaguar... Ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pris direct le bon chemin. Gosh, I thought a Jaguar had gotten you. Mais je pense qu'on va à la fonte après, le Jaguar. Oh, dear. I hadn't thought of that. I do hope a jaguar hasn't gone and gobbled up my friend. Mais il reste plus personne là. Now try to remember, Pooh. De quel ami il parle? Is Sora the one you're looking for? Oh, the jaguar. Quoi, t'as entendu quelque chose? No, it's just your tummy grumbling. Ah, d'accord, ok. You must be hungry. Come on, let's head home and see if we can find you some honey. I'd like that, Sora. Pooh, you finally remembered. Bah depuis le temps qu'on répète. Pooh. I like it ever so much when you're cheerful, Sora. Sora. Maintenant qu'il s'en souvient, Sora. Oh, there's a bit of a rumbly in my tumbly. All right, then let's go home. Let's go home. Ah, il a pas de main. Tiens, prends ma main. Arrête. Putain, en fait, il mange. Wow, mais non! N'améliore pas l'attaque, mais augmente les chances de gagner des orbes de feu à la place des munis. D'accord, oui, ben... oui.
À la rigueur, oui, si tu veux, mais... Grotte hantée. Je la mettrai jamais, cette truc-là. Laisse tomber. Je la mettrai jamais. À mon avis, il y a des chemins qu'on n'a pas dû prendre, donc des trucs qu'on n'a pas dû voir. Mais bon, c'est pas grave. On ira refaire un tour. Il doit y avoir des pièces de puzzle qu'on a dû louper, je pense. Si possible. C'est pas grave. Mais du coup, là, est-ce qu'on a terminé ou pas? Parce que du coup, il se souvient de Sora. Donc si ça se trouve, c'est fini, là. Mais il reste une page. Bah oui, mais si ça se trouve, la première page, on l'a depuis le début. Tu sais, c'était la maison de Winnie au tout début. On verra, on va tout. You know what I mean? Oui. Ouais, non, ils nous auraient donné un trophée et puis ils auraient fait une cinématique de fin plus que ça, à mon avis. Donc oui, il doit rester une. Puis on aurait fermé une serrure normalement, non? Ouais, voilà. Donc il doit rester la dernière page où ils se rassemblent tous. Ouais, tout content. Ouais, c'est bon, ils ont recyclé le truc, donc c'est bon. Mais t'as vu, l'angle de caméra est différent par contre. Oui, ils ont fait un petit effet. Alors c'est quoi le dernier? Ah, bah c'est la colline, forcément. On va faire de la balance suba. Est-ce que je retourne dans la grotte? Non. On le fera en off, ça c'est pas grave. S'il y a besoin, on va regarder s'il reste des trucs de puzzle à récupérer et on le fera en off. Oh la barbe! Ah bah oui, bien sûr. C'est toi, Sora? Oui, mais d'abord, on va chercher les coffres. Arrête! Anneau cosmique. Sale gosse. Avec ça, tu peux voir le cosmos. Mais elle est énorme. Mais tu parles de quoi? Mais la lune. Oh, c'est vrai que c'est assez gros. Ma bite, la lune. Grosse comme ma planète. Tu peux aller dans l'eau, en fait. Oh, un coffre. Hop, formule rouge, d'accord. À mon avis, même en double sautant, tu vas pas pouvoir l'avoir, celui-là. Non. Genre même depuis le haut de la colline, à mon avis, ce sera pas faisable. Y'a rien d'autre. Non, ça c'est le coffre que tu viens de récupérer. Donc avec celui-là, c'est bon. Et encore la musique. Coucou votre hibou. Oui. On le sait, on était là la dernière fois aussi. Oh, on peut pousser le rondin? Ah non. D'accord. Okay. Mais regarde! C'est vrai qu'elle est quand même vachement grosse. Hein. Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a, je crois. Rapproche-toi parce qu'on la se lune. Décolle. Mais c'est toi qui me pousse. Tu me pousses. Laissons-le se régaler. Si tu fais le gros PD. Je te laisse dedans. Elle, Winnie, elle s'en sert. Oui, bon. Triangle et triangle, quoi, en fait. En fait, il faut attendre que la jauge de force se remplisse. Attends, mais je vais caler ça. Oh. Tu veux me revoir, tu veux. Vas-y. De toute façon, je t'aime plus. Tu vois, je te l'avais dit, il fallait laisser se régaler. C'est fini entre nous. Oui, non. Ouais, bien joué. Boum. C'était plutôt rapide. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était plutôt rapide. Lance comme le pot. Non, j'ai trop de trucs à faire, désolé. Un moyen de me faire rester? Yes. Would there be such a thing as a way to make it so you don't go away again? Oh, c'est mignon. Pooh. Tu veux rester avec moi, Pierre Lune? I promise I'll come back and visit you now and then. Could you make it? Now and now instead. Well, that seems a bit better to me. Sora, if I go looking for you, will I find you? Nope. I'll always be with you. Right here. You don't have to go anywhere. Arrête! And you can see me anytime you want. You mean I just have to stay right here? Yep, that's all. C'est ça. Reste ici. Prends pas de risque. Promise. I promise too. Cette scène là, ça faisait trop la scène dans Shrek où ils se parlent tous, puis non, t'as Lan qui fait Lan. Tu sais, au milieu de la conversation, oui, je te promets, Winnie.
After all, I must tell you of my Uncle Albert's adventures at sea. Putain, on s'en bat les couilles. Eh hey, mais... Quoi? Tu mettrais un bip, hein? Non, non, bah, alors là, pour l'épisode où il y a eu que ce mot-là, je l'ai pas mis, donc... Depuis Canada. Ça va, tiens, des promesses à tout le monde, attends la rigole. Comment tu vas respecter tout ça après? Par contre, je vais trembler la caméra avec tes pieds. Je sais. Coucou. Et tous of you are right here too. Oh, c'est mignon. See ya. Fuck see ya. Et là, il s'envole. S'il s'envole vers la lune, waouh. Comme Peter Pan. Bye. Alors maman Kogu qui maman Gourou qui exprime son en mode reine de France quoi. Au revoir soi. Oh t'es mignon. C'est impossible. Hein. Vous ne verrez jamais ça dans la vie. Le jour où quelqu'un arrive à graver son image sur ça va se réparer quand même. Mettre un bout de scotch c'est un peu dégueulasse. Les scotch en plus ils connaissent. Regarde. Wow, Winnie the Pooh. Elle est dégueulasse cette couverture. Elle est vachement moins bien faite que celle-là. Hein. Et voilà, elle est. Oh putain, mais on a tellement bien fait de le faire. Yes. Comme ça, on a son X. Yes. Et quand il y a X, c'est que c'est bon. Faut que tu piques le. Ah. Oracle, que plus. Par contre, le pic que t'as fait là. Les gens, ils ont fait. Ah, je saigne des oreilles. Extrait. Ensemble pour toujours. Together, we are forever. Friends forever and ever and ever. Bon ben voilà, moins d'une heure. C'est un très bon épisode. Tremblement de terre. Non. Stop, c'est flou. Eh bien, on va s'arrêter là. Pour cet épisode 48 spécial Winnie the Pooh, avant ben, de retourner aux choses sérieuses et ben, de finir Cash, j'ai bien l'impression que là, c'est la dernière ligne droite, quoi. Fuck ouais. You. Okay, c'est le mot, c'est le slogan de ces trois derniers épisodes, c'est fuck you, fuck you. On espère en tout cas que cet épisode vous a plu. C'était un épisode posé, hein. C'était l'épisode où il fallait prendre votre bord de céréales, votre petit chocolat chaud, soit tu le regardes le soir, soit le matin, mais détendu, relax. Et on vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour un épisode beaucoup plus actif, par contre. Pour toi, hein, parce que moi j'étais très active sur cet épisode. Ah bah là c'est sûr, hein. Là j'ai jamais été aussi actif du tout de ma vie. Exactement. Et évite de supprimer le fichier, s'il te plaît, là, tu m'as supprimé là. C'est pas fait exprès. Et on vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Kingdom Hearts 2. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut à tous. Bye. My darkness paradise. My darkness paradise. Oh, life is a game. I've lost a lot, but I still play a game. Life is so strange. There's no time. My darkness paradise. My darkness paradise. 1, 2, 3, tap, 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 tap. Sortir de l'écran 5 5 Felindra, tête de tigre.